Salut, c'est Spinzin. Je me trouve dans mon studio à Berlin. Et plusieurs d'entre vous m'ont demandé comment changer le seuil de coupure sur le crossfader de la Xone 96. Alors je sais que Mojack de DJ City l'a mentionné dans son test, et je vais vous montrer à quel point cette modification est facile à réaliser. Vous avez seulement besoin de deux outils, un tournevis T8 Torx, dont la tête ressemble à une petite étoile, et un tournevis plat. J'utilise ce petit tournevis parce que je l'avais sous la main, mais n'importe quel tournevis plat de taille standard fera l'affaire. Vous avez seulement besoin de 10 minutes, alors allons-y. Vous devez d'abord poser votre 96 sur une surface plate, comme ici. Assurez-vous que votre surface est bien propre et plate pour cette opération. La première étape consiste à retirer les 8 vis qui tiennent la façade. Donc une fois que nous avons retiré les 8 vis, 2 sur le dessus, 2 en dessous et 4 sur les côtés, 2 sur chaque côté, nous allons donner un peu de mou à ces vis, qui maintiennent la façade sur le châssis de la table de mixage, pour pouvoir retirer le panneau. Nous n'allons pas les enlever complètement, nous allons seulement leur donner un peu de mou, en les tournant un petit peu d'un quart. C'est suffisant pour que la façade, après, se retire facilement. Si vous regardez à l'intérieur de la console, vous verrez ce potentiomètre. Et c'est celui-là que vous voulez ajuster pour changer le point de coupure sur la 96. La première chose à faire, une fois que vous avez retiré le panneau avant et localisé donc le point d'ajustement du crossfader dans la console, c'est de changer la courbe du crossfader en le plaçant à droite, ce qui correspond au cut le plus précis. Je vais ensuite jouer un morceau sur le canal 1 de la console. J'utilise l'interface audio intégrée, mais pour ce réglage, vous pouvez utiliser la source audio que vous souhaitez. Une platine, un lecteur média, etc. Le canal 1 est ouvert. Aucune pré-écoute n'est activée. Et vous pouvez voir vos niveaux ici. Je mets mon crossfader en position Y, complètement à droite. Et je règle le sélecteur du crossfader du canal 1 sur X. Vous pouvez constater qu'il n'y a pas de signal sur le bus master. Vous pouvez aussi le confirmer en branchant un casque ou en associant votre mixeur à des enceintes. Je peux trouver le point de coupure simplement en bougeant un peu le crossfader. Mais je veux le rendre encore un peu plus serré. Je vais donc placer le crossfader complètement à droite. Et je vais tourner le potentiomètre, le petit contrôle ici, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que je vois le signal apparaître sur le bus master. Voilà. Maintenant, je vais le tourner jusqu'au point où il s'éteint tout juste, ici. En touchant à peine le crossfader, j'ai déjà un signal. Vous pouvez ajuster cela selon vos goûts. Vous allez ensuite vérifier que cela fonctionne aussi de l'autre côté. Bon, là, on voit que ça ne fonctionne pas. Donc, je vais réajuster. Voilà. Donc là, le crossfader est bien calibré sur votre 96 avec un cut vraiment serré. Très utile donc pour ceux qui font du scratch. À noter que vous pouvez ajuster le potentiomètre propre au crossfader de la 96, mais pas les autres potentiomètres provenant d'autres crossfaders, comme les InnoFaders. Maintenant, nous pouvons réassembler notre table de mixage. C'est très simple. Vous ajustez simplement la façade à son emplacement et vous revissez le tout avec votre tournevis T8 Torx. Et voilà.